la date de naissance de Aimé Césaire. Alors, tu vois, vas-y, vas-y. La sonnerie bug. Je vous avoue que là, je bois pas d'alcool, les gars, mais je sens déjà la liqueur monter dans ma tête. J'étais à l'école, mais tu sais, genre des... Salut à tous les amis, bon j'espère que vous allez bien, c'est Lionel et aujourd'hui je suis avec une amie. Michel. J'allais dire une amie, attends. Doudou, quand même. Avec... Vas-y, avec mon ami Michel, du coup, oui. On a décidé de faire cette vidéo, puisque l'année a été tellement compliquée, que pour le coup on s'est dit pourquoi pas se réunir avec Jackson Studio et Michel pour vous faire une vidéo pour voilà. Résumer un peu l'année. Michel, ça va bien? Ça va et toi? Ça va. Ben, du coup, c'est vrai, on a décidé de finir l'année en beauté avec exact. Vous, faire un petit cadeau sympa en faisant cette vidéo. Parce donc, que l'année était compliquée. Hein. C'est clair. 2020. Ça a bien démarré quand même. Ça a trop bien démarré. Hein. Grave, on était déjà prêts. Voilà, les carnavals, les. Bon, moi, j'étais finalement... pas ici, mais je vois que toi, tu as bien profité bien en sûr. Martinique. Tu étais à Paris, puisque, hein, d'accord. Ah ouais, c'est et puis finalement, hein, le Covid est arrivé sur nous, mais du coup, aujourd'hui, on est là pour faire une petite vidéo hyper voilà, cool. D'ailleurs, je t'emmène à la favela, ça t'aime bien? J'adore. T'es déjà c'est la deuxième fois que je viens ici. Ah, d'accord. Et donc, toi première fois. La première fois que tu viens ici et tu es déjà derrière le bar. Bah, du tout, j'ai peur de toi? Pas du tout, j'ai pas peur des gens, vous le savez déjà exactement. Okay, bon, d'accord. Alors, le principe de cette vidéo, les gars, je vous explique, c'est que du coup, on a du Spicy M. Ok. C'est de la liqueur. Oui. 100%. Caribéenne. Martiniquaise. Martiniquaise. Hein. Fait par Martiniquaise. Exactement. Donc là, on du coup, c'est de la liqueur à base d'épices. À base d'épices. Et il y a plusieurs parfums. Donc, on va forcément goûter les cocktails. Okay. Pour vous rappeler, Michel et moi, on ne boit pas d'alcool. C'est donc ça le truc, en fait. Sera très comique. Il faut bien préciser qu'on ne boit pas d'alcool. Donc, restez jusqu'à la fin, vous allez voir qu'est-ce qui sera à terre. Bon, on commence avec le premier cocktail. Vas-y, tu veux goûter quoi? Groseille. Parce qu'à ce qui paraît, c'est une édition limitée. Pour les fêtes, c'est ce qui a bien fonctionné, donc allons voir. Je sais même pas combien il faut mettre. Hein. Non, mais pas beaucoup. Ah bon? Non, mais rajoute un peu. Ah, toi, la même, rajoute un peu, elle ne boit pas d'alcool, mais ok, on rappelle que l'abus d'alcool est à consommer avec modération. Tu veux quoi? Gilletti, prune de citerre, orange. Le vert. C'est prune de citerre. Prune de citerre. Prune de citerre, groseille. Mais oui. Donc, et le blender vient d'où? De chez Darty, ma doudou. J'ai pas peur de toi. Déjà la couleur, ok. Bon allez, du coup, déjà, chin chin, et choisis ta première question, on va y répondre, puisque nos abonnés nous ont posé du coup des questions, et on va y répondre. Ok, alors, c'est parti. Alors, est-ce que tu as offert des cadeaux à tes parents cette année, et si oui, lesquels? Vas-y, tu veux répondre? Les femmes d'abord. C'est à toi que j'ai posé la question. Bon. Oui, j'ai offert à ma mère un jeu, c'est la Martinique au bout des doigts. Ah ouais, j'avais ta story, oui, j'avais ta story. C'est hyper bien, d'accord. Mm-hmm. C'est hyper cool. D'ailleurs, c'est le premier cadeau que j'offre à ma mère. Et elle voulait un jeu. T'as jamais offert de cadeau à ta mère? Oui, quand j'étais à l'école, mais tu sais, genre des... Ouh, tu le sens. Je vous jure, mon oesophage est en feu. Non, je lui ai offert, en fait, tu sais, des petits poèmes. Tu offrais ça avant. Mm-hmm. Voilà. Et toi? Pour le coup, cette année, rien. Mais bon, attendez, je n'ai rien à faire à ma mère, ni à mon père, parce que je suis leur plus beau cadeau. Ça, c'est une disquette que tout le monde... Ludo, qui est là, notre réalisateur, en mode Ludo, qui est Michel, d'accord. Non, mais c'est parfait. En fait, j'attends. Je pense que je vais faire deux en un. Le 31 décembre, j'offre deux cadeaux. Ok, on rappelle pas quand même encore, que ta mère est fâchée. Alors, on tourne la vidéo. La mère de Michel est fâchée parce que Michel va passer le Noël avec elle. Je en vous vrai, avoue que là, je bois pas d'alcool, les gars, mais je sens déjà la liqueur monter dans ma tête. Je peux vous assurer que je vais pas conduire la Luego Mobile après. Bon, allez. Qu'attendez-vous de l'année 2021, Lionel? Non, vas-y, réponds. Moi? T'attends quoi? Alors, pour l'année 2021, bah, déjà qu'elle soit meilleure que celle-ci. Donc, tout ce qui est projet professionnel et bah, avec le Covid, etc., que ça s'améliore, même si, hein. Lionel, tu m'écoutes. Je t'écoute, hein, mais je suis en train de faire le cocktail. Hein. Si tu vois les mélanges que je fais, je vois que tout le monde est en train de rigoler derrière. Oui, j'ai bien mis de la menthe mixée. On va bien voir ça. Oh, bah, alors, je ne veux pas. Alors, donc, pas de Covid, plus de Covid, j'espère, en 2021. Mais ça, faut pas rêver, quoi. Donc, j'attends, et toi? Qu'est-ce que j'attends en 2021? Moi, franchement, bah, que les projets se concrétisent, du coup. Parce qu'on avait plein de projets avec Jackson, du coup, cette année, qui n'ont pas pu se faire à cause du corona. Mm-hmm. Ça, et franchement, que le Covid s'arrête. Parce que ça a foutu vraiment un peu... Mais c'est clair. Ça a été un peu galère. Moi, je me dis, avec tout ce qui s'est passé bah, cette année, ouais. Je me dis, vaut mieux, j'espère, hein, que c'est reculé pour mieux sauter, j'espère. Tu penses? J'espère. Même si au fond de moi, non, mais voilà. Super, la meuf, ok, d'accord. Par contre, note positive... C'est qu'en 2020, t'es devenue plus belle. Mais ça me fait quoi? Mais non, mais attends, là, c'est en mode pression. Non, c'est comme ça.
Oui, mais t'as vu le cocktail là? Faut le boire à la fin. Oh mon dieu, on dirait un. Je vais passer la caméra, on va voir ça. Mais c'est horrible, on dirait. Ah non, je peux pas. Ça va. C'est pas mauvais, hein. Quel est votre pire Noël? Je pense pas le pire Noël, mais j'étais avec ma famille, donc je pense que j'avais quel âge? 14, 15 ans. Et on m'avait offert une clé USB, je crois. Une clé USB. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Ça peut passer. En fait, non. Tu travailles ce pas qui m'a choqué, c'est le cadeau. C'est pas, mais j'ai pas eu de pire Noël en soi. Qu'est-ce que tu dois faire ça? Une tente. Non, mais mon pire Noël, tu sais quoi? C'est cette année. Parce qu'en vrai, j'aime pas ces Noëls en fait avec ma famille. D'ailleurs, j'aime bien faire des chantées Noël avec, mais avec un groupe qui s'appelle Encoudéo. N'hésitez pas à les regarder sur Instagram, franchement. J'ai posté des vidéos avec mon cousin et franchement c'est hyper bad. Ah oui, coup, avec Kalash et tout le monde a repartagé. Oui, d'ailleurs ils ont reposté, c'est vrai. Mais en fait, et vraiment c'est ce Noël là, ben je l'ai trouvé tellement nul parce qu'en vrai il n'y a pas eu toute cette effervescence en fait. J'espère que le 31 sera pas pareil quoi. D'ailleurs tu fais quoi le 31? On va répondre aux questions. Ah, d'accord, alors, ok. On y va. Okay. Alors, votre pire et meilleur souvenir 2020? Pire et meilleur souvenir 2020? Mon pire souvenir de 2020, c'est le Covid. Hein. Ben, c'est le corona. Un souvenir. Ben oui, c'est le corona. Le jour où le corona est arrivé, franchement, moi, j'ai vu ma vie. Tu faisais quoi le jour du premier confinement? Le jour où on t'a annoncé le confinement? J'étais en émission. En plus, je vais te raconter. Je sortais de l'émission, en fait, à la TV, le squat. Mm-hmm. Et du coup, la maquilleuse Catherine, ça, qui je l'embrasse d'ailleurs, elle est sortie en mode, il y a un gros problème. Donc, du coup, on pensait qu'il y avait un séisme, il y a un tremblement de terre, ou éruption de la montagne Pelée. Mm-hmm. Et en fait, elle nous a expliqué qu'on était confinés. Donc, du coup, j'étais en train de me dire, bon Dieu, Seigneur, la Vierge Marie, comment j'allais faire? En plus, on avait des projets, on devait partir avec Jackson. Enfin, tu me voyais déjà en mode. Ok, tu vois, je pense que le pic, tout le monde était à là, comme oui. Ça, et là, confinement. Parce que le carnaval, ça s'est bien passé, en fait. Le carnaval a été, mais ça a été mon meilleur carnaval, d'ailleurs. Donc, et ceux qui n'ont pas vu le carnaval, oui, comme moi, à Paris. Mais ça a été le meilleur carnaval, et du coup, en fait, tout est monté comme ça, et puis c'est redescendu. Mais non, durant le confinement, on a fait pas mal de choses, donc ça a été. Et puis aujourd'hui, on se retrouve à faire une vidéo avec Spicy M, quand même. Hein, on est d'accord, vas-y. D'ailleurs. Alors, c'est quoi ton meilleur souvenir de 2021? Alors, mon meilleur... Peut-être mon voyage en France, du coup, en février, pour que quand j'arrive en Martinique, on m'annonce le confinement, le premier confinement. Et le pire, c'est que je passais mon permis. Je crois que mon examen, c'était le jour, le lundi ou le mardi du confinement. C'est-à-dire que je n'ai pas passé mon permis. Du coup, ça, c'est vraiment mon pire souvenir. Alors là, j'ai mis attendu Spicy M Orange. Ça va? T'aimes l'orange? Je constate juste que j'utilise mieux le blender. Comment ça s'appelle? Blender de chez Darty. Voilà, de chez Darty. Moi. Alors vas-y. T'aimes le chip? Par contre, je tiens à dire que le deuxième cocktail de Lionel est délicieux. Vraiment, je m'y attendais pas. À part les feuilles de menthe qui dérangent un peu, mais c'est super bon. Non, mais tu sais, c'est juste le visuel. Mais après, quand ça rentre en toi, c'est bon. C'est l'alcool. Parce que je commence à avoir chaud en plus. Moi aussi, j'ai chaud. Bon, allez, prochaine question. Alors, quel est votre pire 31 et qu'allez-vous faire pour celui de cette nouvelle année? À la fin de l'année, là. Ouais. J'en ai pas encore eu, en vrai, parce que chaque 31, franchement, avec mes cousins, là, c'est du bordel. Hein. Oh. On était en mode carnaval. On était vraiment en mode revivre toute l'année. C'est-à-dire, on reprend à partir du carnaval, Pâques, on fait la totale en une journée. Tu fais ton 31 tout le temps avec les mêmes personnes? Ouais. Oh. Quoi? Mais c'est nul. Pourquoi? Mais change. Non. Toi, tu le fais à qui? Ben, ça dépend. Chaque année... Tu changes? Ben oui. Pas moi. Et bizarrement, jamais avec mes parents. Mes parents, ils m'ont toujours laissé en mode, nous, on va avec nos potes, toi... T'as jamais fait avec tes parents? Qu'avec ma mamie. Bon, alors, mon pire 31, du coup. C'est quoi ton pire 31? Alors, il faut que vous sachiez que je crois que ça fait 3 ans maintenant. Je ne voulais pas sortir. Moi, de base, je n'aime pas voir. Je suis sauvage, donc c'est-à-dire que je ne voulais pas sortir le 31, j'étais chez moi et tout. Et il y a mon copain qui m'a dit, oui, ma mère nous a invités, donc il faut que tu sortes, etc., etc. Sauf que j'avais un diadème, une petite couronne qui s'était cassée, et je me suis dit, bon, bah, pour faire mes meilleures photos Instagram, je vais mettre la couronne. J'avais un pot de Superglue dans ma chambre qui était déjà bouché. Enfin, que j'allais refaire, mais tu te souviens? Et là, je vous jure, pour recoller le diadème, je suis allée sur mon étagère et pour forcer la glu à sortir, j'appuie. La super glu a explosé dans mon visage et là, j'ai fait... Mon copain est venu. Et là, je peux vous jurer, tout mon visage était
rempli de super glue pour le 31 décembre. Alors là, j'ai fait mon 31 décembre à l'hôpital. Une partie, une première partie à la Ménin et l'autre partie à Mogoville, ça c'était génial. C'est super bon par contre. Hein. Ouais. Grave, de ouf. Cassis orange, tu penses que ça va passer? Oui, vas-y. On est sûr qu'il y a deux choses là. Enfin, c'est ça que t'as oublié de mettre du sirop de grenadine. Non? Non, je pense que, tu sais quoi, il y a de la cassis là. Je pense que, franchement, faut mieux pas. Batine. Batine. Il est bon ou pas? J'échauffe. Goûte. C'est vraiment bon. J'adore regarder Michel. Michel n'est pas du tout alcool. Mais franchement, c'est bon, c'est pas fort en fait. Ah, je sais pas. Toi, c'est... Non, mais là, ça va. Franchement, ça va? Un peu, c'est frais. Oui, c'est... Wouh, mais c'était... Bon, ok, c'est très bien. C'est quel pain en fait que t'as mis là? Là, du coup, c'est cassis avec du jus d'orange, du jus de goyave. Ça va, c'est pas mal. Ça va. Ok, très bien. Bon, en tout cas, on a répondu un peu sur les questions de nos abonnés. Voici les questions qu'on nous a posées. On est d'accord. Il y en avait tellement que, du coup, à sélectionner, c'était un peu compliqué, hein, Michel. Ça va. Elle m'a envoyé la liste de ses questions et moi, je lui ai envoyé la liste de mes questions. C'était hyper compliqué. Mais du coup, là, tu sais quoi? On va passer un petit jeu. Oui. Hein, hyper oui, sympa. Vas-y, on y va. 5 secondes pour. Hein? Répondre aux questions. Répondre de... aux questions de Jordan. Jordan. C'est parti. Bon, du coup, Jordan nous pose des questions. Allons-y. Alors, vous avez 5 secondes pour citer 3 produits de chez Darty. Ah ben. Télévision, micro-ondes, fer à repasser, table à repasser et blender. Ok, elle a gagné. C'est bon? Okay. C'est bon. Wouh! Je sais pas. Alors maintenant, 5 secondes pour citer 5 parfums de chez Spicy M. Coucou, lala. Groseille, orange, passion. 5! Groseille, passion, orange, cassis et groseille. Non, 13. 13! Qu'est-ce qui a gagné? Moi? Ouais, j'ai répondu. Désolé. J'ai répondu. Vas-y. Alors maintenant, 5 secondes pour citer 3 menus de chez Favela. Alors? Alors, eh ben, du coup, tout à l'heure, il sonne. La co... La... Oh! 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 La... 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 Cochina! La cochina. Et bien sûr, forcément, le meilleur, c'est la laitue. Oh ouais. Oh putain. Franchement, quand tu prends, il y a une salade ici, j'ai vu sur la carte du menu, il y a une salade, elle est hyper bonne. Je l'ai? Ça fait 2-1. 2-1, ok. On va passer sur des questions un peu plus culturelles. 5 secondes pour citer 5 communes du nord de la Martinique. Casse-Pilote, Carambem, Monne-Rouge, Gros-Morne, Macouba. C'est bon. Une dernière? Une question bonus? Bien sûr, allons-y. Tu transpires. La date de, la date de naissance de Aimé Césaire. Alors, tu vois, vas-y, vas-y, je t'ai chaud, La sonnerie buggée. Attendez. Alors, je sais qu'il est né en 1903. 1913. 1916 13. 13. Ah, d'accord. Ah, bah, bravo, mais par contre, j'ai plus donné sa mort. 2008. Parfait. Voilà. Oh, voilà, c'était quand même sympa en tout cas. Oui, ça m'a donné chaud par contre. C'est très chaud. Les anciens, bien sûr, je pense qu'il faut qu'on revienne franchement à la favela. Jackson, t'en penses quoi? On va revenir forcément à la favela, Michel. C'était génial, hein, franchement, le cadre est super et la vue est magnifique. Je sais pas, mais moi je n'étais pas au courant qu'il y avait une vue aussi magnifique sur la baie de Fort-de-France. Je suis désolée. Donc, trois îlets, tout ça. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas les feux d'artifice cette année parce que du coup on serait venu à la favela. Donc pensez-y pour l'année prochaine si vous voulez. Clairement. Regardez le 30 décembre les feux d'artifice. N'hésitez pas à venir à la favela. Et en plus, mais le blender en place quand même, il nous a tu bien mis. Tu veux un autre non, cocktail, mais on a bien utilisé le blender pendant l'épisode, l'émission. J'avoue qu'on a bien utilisé le blender et franchement les cocktails aussi, c'était très bon. À tout ça. En tout cas, les amis, franchement, Michel, des vœux pour tes abonnés. Eh bien, le tout, je vous souhaite le meilleur du monde pour cette année 2021 qui arrive à grands pas, puisque c'est là. Et un bon 31 à vous et... De l'amour. Mais de l'amour, hein. Et toi, Lionel? Mais moi, franchement, je vous remercie en tout cas de nous avoir suivis tout au long de l'année 2020, vraiment. Ah, j'espère qu'en 2021, on va faire encore du contenu très, très, très bien. Très de bon. Qualité. De qualité, aussi, bien sûr. Mmh. Franchement, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est avec plaisir de du coup, conclure cette belle année avec Michel, qui est vraiment très, 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 très belle. Et puis, forcément. Mais toi aussi, très en beauté. Merci, Doudou. Merci, bébé. Ça va, merci. En tout cas, franchement, les gars, on remercie vraiment Darty, La Favela. On remercie aussi Spicy M. Spicy du coup. On remercie M, aussi vraiment. Trace. Et on remercie aussi Aloego, puisque Aloego, c'est ce qu'il te faut.
N'hésitez pas, d'ailleurs, on va repartir sur la Lego mobile. Ah, excuse-moi. Ah non, ouais, d'accord. Okay, très bien. Bon, en tout cas, les amis, on vous remercie. On se retrouve en 2021, bien sûr, sur Jackson Studio. Restez connectés. On va préparer de bons petits concepts avec Michel. Je vous avoue que là, ma tête est en train de tourner un peu. Mais ça va. Ça va bien se passer. En tout cas, l'abus d'alcool est très dangereux pour la santé. Les amis, on se retrouve en tout cas en 2021. Un gros bisou à vous.